Et tout le monde, c'est Thibobo et on se retrouve pour la suite de Super Mario RPG. Donc voilà, là on était ici, où ça exactement? Attendez, c'est où qu'on voit? Ouais, carte. Voilà, on avait passé le canal Croix-Croix. Et puis là on est à la rivière Midas. Voilà, et le but c'est d'aller au lac au Tétard. Voilà, donc écoutez, on va continuer, hein, tout simplement. Ah non, on a passé la rivière. Ah oui, ok, et là on va aller au lac au Tétard. Ouais, là où voulait aller Malo. C'est quoi cette musique? On va faire du volet ou je sais pas. L'ambiance c'est vraiment super sympa, hein. C'est abusé. Salut, je peux t'aider? Ah, c'est toi, Malo. Tout le monde parle de tes exploits et paraît que t'as battu l'Angloutte avec un certain Super Mario. Hein, tout le monde est déjà au courant? Tu vois, Mario, les rumeurs du monde ne mettent pas longtemps pour arriver jusqu'au lac au Tétard. C'est pour ça que mon pépé sait tout alors qu'il ne bouge jamais d'ici. Ah ouais, je vois ça. Ouah, c'est toi, le fameux Super Mario, et vous autres, devinez qui est là? Ouah, ils sont beaucoup, hein? Il sait même en personne, je dois dire qu'il est moins impressionnant que j'imagine. C'est méchant, ça, hein? Il paraît qu'il peut sauter plus haut qu'une grenouille, je me demande si c'est vrai. Ah oui, je dois sauter. Ouais. Alors, on s'amuse sans moi? What? Pépé, je me suis retrouvé dans une drôle de situation et Mario m'a aidé. Oh, oh, je sais, petit, je sais déjà tout. Le déluge de tout à l'heure, c'était toi aussi, n'est-ce pas? Aïe. Quel déluge? Attention, voyons, je suis censé flotter comme un sage. Hein? C'est lui, son pépé? Ah, mais c'est une... Ouais, c'est une grenouille, c'est un papy grenouille. Ah, c'est lui, Batracius, d'accord. Seul bienvenu, tu es Mario, c'est bien ça, on m'appelle Batracius. Tu es venu ici en quête de sagesse, j'imagine, sache que tu as bien fait. Les anciens comme moi sont souvent de bons conseils, en toute modestie, bien sûr. Ouais, d'accord. Et le lac qui tue, il veut pas le lâcher, non? What? Mais ne restons pas là, suis-moi, nous serons plus à l'aise pour parler là-bas. En arrière, toutes. Ok. Et vous autres, rendez-vous utile, faites un passage pour Mario. Ok. Ah, on va leur sauter dessus direct. Attendez, y'a quoi là? J'ai quand même envie de voir belle mélodie. Quand vous sautez sur les tétards, ils jouent des notes. Essayez de créer une mélodie. Ok. Ouais. C'est toi qui as composé ça. Ça ne ressemble pas vraiment à la mélodie que j'ai en tête. D'accord. Bon, s'il veut, hein, mais bon, moi j'ai autre chose à faire que ça. D'accord. Je sais pas. Peut-être qu'il me donne un truc. Je sais pas si vraiment, ouais. Il veut quoi, lui? Moi, mon rêve, c'est de devenir compositeur. Je veux être aussi brillant que Todovsky, mon morceau préféré. La suite numéro 18 de Batracius. Ok. Mais moi, je connais pas la mélodie, d'accord? Donc, bon, clairement, je vais passer, hein. Voilà, là. On va y aller. Allez, 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 vas-y, Mario. Tu peux y arriver, c'est bon. D'accord, il a sa petite île, tranquille. Voilà, dans mon sanctuaire de sagesse infuse. Approchez. Ouais, ok. Bien, venons-en aux choses sérieuses. Ce fameux forgeroi qui a fait son apparition au château de Bowser, il doit être un ennemi redoutable. Je comprends que tu veuilles aller secourir la princesse le plus vite possible, Mario. Seulement, ce que tu ignores, c'est que Peach n'est déjà plus là-bas. Honnêtement, je m'en doute. Parce que Bowser, on l'a déglingué. Et vu la grosse épée qui s'est mise dedans dans le château, ouais. Reste calme, je vais tout expliquer. Voici comment les choses se sont passées. D'abord, tu t'es précipité au château pour secourir Peach. Tu as vaincu Bowser et alors que tu étais sur le point de libérer la princesse, tu as entendu un terrible craquement et une épée a fendu le ciel. What? Oui, mais c'est bon. Ouais. Jack, sans prévenir, le choc vous a envoyé valdinguer tous les trois. Visiblement, Bowser et Peach sont encore perdus quelque part. Et toi? Tu t'inquiètes pour la princesse, quoi de plus normal. Mais tu devrais plutôt te préoccuper de Forgeroi. Eh, il parle beaucoup, je trouve. Vraiment, ça me fait mal à la tête, je vous jure. Ces acolytes sont en train de plonger notre monde dans le chaos. Blasto, que tu as vaincu au château champignon, n'était que l'un d'entre eux. Il en viendra beaucoup d'autres. Ah, Pépé, j'allais oublier, on a trouvé une étoile au château champignon, ça dit quelque chose. Une étoile, très intéressant. Aussi surprenant que cela puisse paraître, les étoiles filantes sont capables d'exaucer certains vœux. Quelque chose
me dis qu'elle pourrait avoir un rôle à jouer dans votre lutte contre Forgeroi. Mais je parle, ça ne fait pas trop d'informations, je peux récapituler si besoin. Non, c'est bon, ouais, c'est bon, je m'en fous. C'est une situation peu banale qu'on a sur les bras, hein. Oui, mais on va s'en sortir, t'inquiète pas. Eh bien Mario, t'es pas sorti de l'auberge. Si ce Blastoc n'était que le premier d'une longue série, je crois que tu vas pas tarder à regretter Bowser. Ouais, je pense aussi, ouais. Malo, cesse donc de parler comme si tout cela ne te concernait pas. Tu vas accompagner Mario dans cette aventure, toi aussi. Bah oui, clairement. Hein, voyons Pépé, dis pas n'importe quoi. Je suis juste un simple tétard, pas un aventurier comme Mario. Qu'est-ce qu'il fait ? Malo, mon petit, j'ai gardé cela secret jusqu'à présent, mais tu n'es pas un tétard. Quoi ? Il y a tout le monde qui se ramène, là ? Oh là là, la révélation ! Oh, la musique! Attendez, c'était dans quoi cette musique encore? C'était dans un autre Mario là, cette musique. Ou alors, ça vient de ce jeu, mais ça a été réutilisé plus tard. Et vraiment, oh là là, j'ai un trou de mémoire, je connais cette musique. Mais je sais plus d'où ça vient là comme ça. Ouais, en fait, cette musique, je crois pas que ça a été réutilisé dans un autre jeu en fait, mais ça a été réutilisé plein de fois par SMG4, vous savez, le youtubeur. Et en fait, ça vient de ce jeu, donc. Ah ouais, je savais pas du tout, hein, je vous jure. Un beau jour de pluie, alors que je grignotais un morceau, j'ai aperçu un panier qui glissait sur l'eau poussé par le courant de la cascade. J'ai regardé à l'intérieur, à surprise, un bébé sur sa ceinture, il était écrit Malo. Pris d'affection pour ce petit être moelleux, j'étais adopté et élevé comme si tu étais mon petit-fils. Tu étais doté de puissants pouvoirs magiques et je savais que tu étais plus qu'une petite boule douteuse. Dufteuse. Le pauvre, il est en train de trembler. Oh là là, la révélation comme ça. J'ai toujours pensé que tu venais de très loin d'un lieu que je ne connaissais pas. Pépé, tu veux dire, je suis pas un tétard. Bou, bou, fou, fou. Faut qu'il arrête de pleurer. Malo, sèche tes larmes, ce n'est pas le moment de pleurer. Tu vas accompagner Mario dans son aventure et tu trouveras ta véritable famille. Oh, sérieux? On va aller voir sa vraie famille. Ton père et ta mère sont quelque part dans ce vaste monde. Sérieux? Mario, crois-moi, les pouvoirs magiques de ce petit ne te seront pas de trop. Tu es bien mère qui t'accompagne. Mais carrément ? Bah oui ! Pépé, je pleurerai plus. Je vais partir à l'aventure avec Mario et retrouverai ma vraie famille. Voilà qui est réglé. Vous devriez vous mettre en route dès que possible. Partez pour Rosenville. Les gens de là-bas ont besoin de votre aide. Ne les faites pas attendre. Ok ? Ok ! Ok, ok ! Eh bah écoutez, c'est... En vrai, c'est pas mal. Du coup, on sait... Enfin, genre, on apprend d'où il vient. Quand même, vraiment Malo, faut aller là. Non. Bienvenue au comptoir, Batra, c'est ta première fois, non problème, les pièces vertes que tu trouveras ça et là sont des pièces grenouilles. Si tu en accumules suffisamment, tu peux les échanger contre des objets exclusifs du lac au Tétard. Ah, c'est ça, les pièces, ok, les pièces grenouilles. En fait, c'est juste d'autres pièces pour acheter des trucs, ouais, que tu peux acheter qu'avec ces pièces, en fait. Bombe somnolente, endort tous les ennemis, d'accord. Fortifiant, augmente la défense d'un allié en combat, augmente l'attaque d'un allié, augmente la défense de toute l'équipe, augmente l'attaque de toute l'équipe, d'accord. C'est pas mal, en vrai. Mais ouais, c'est des objets, après, mais, ok. Vous savez quoi, ça, je vais en prendre un. Bah, ça, je vais en prendre un fortifiant et un remontant. Ok. Voilà. Bienvenue au bar à soda, tu as une carte de membre. Ok. Allez, on va acheter Tétard Cola. Toute l'équipe récupère 30 PV. Oh, ça c'est bien ça. Ok, ça c'est dans les Mario Luigi, en fait, c'est l'équivalent des noisettes. Vraiment, ça donne des PV à Mario et Luigi, en fait. Pas qu'à un seul perso. Donc c'est bien. Et puis, ça j'en avais besoin, vraiment. Centre de Rosenville. Ok. Et bah écoutez, on va aller là-bas. Hein. Et d'ailleurs, j'avais une petite question. Dites-moi ce que vous pensez du fait que je fasse des vidéos plus longues hein, sur ce RPG, du coup. Enfin voilà, sur ce jeu, vu que c'est un RPG. Voilà. Les vidéos seront bien plus longues. Ok. Ok, non, attends, Ah, j'entends combat, là. Narcifle, étoile giflante. Ok. On va utiliser boule de feu. Ça devait être... ouais, ça doit être critique, forcément. C'était sûr, hein, parce que... Ok, ah, la petite étoile, là. Nice. La petite étoile... What? Pollen, je sais pas quoi, ok. Ah, ça m'a endormi? D'accord.
Ok. Ok. Ok, alors attendez, hop. What? Ah, ok. Nice. Ok. C'est par là qu'il faut aller? Je vais pas aller sur les autres îles, hein, tant pis. Nice. Ouah, wow, les petits mascas. Mais oui, en fait, j'allais dire, c'est normal que ça soit critique. La fleur de feu, parce que c'est des plantes. Eh ouais. Résonance imparable. Raté. Ok. La carapace verte, c'est bien, parce que... Bah, déjà, ouais, ça m'augmente mon attaque comme équipement, ça. Alors, attendez. Non, ça sert à quelque chose de le taper, lui. Oh, bah oui, attendez. Oh, il y a un coffre. Ok, nice. Ouais, ouais, on va le taper. Pardon, j'ai loupé. Sérieux? Ok. Ah, il se fait pas beaucoup de dégâts, lui, hein. D'accord. Ok, nice. Hop là. Pff, oh, 2 points de dégâts. Berceuse. C'était pas la musique de Super Mario World par hasard. J'avais bien l'impression, hein. Ok, ah, 41. Ouais. Par contre, attends, mes deux persos ils dorment. Non, c'est bon. Mais il m'avait quand même endormi mes deux persos, hein. Donc, frérot, on va se détendre. Non, mais ok. Et mes persos vont bientôt level up. Donc, c'est cool. Et j'ai gagné une pièce grenouille, donc pourquoi pas. Ok, mais du coup, c'est pas ici qu'il fallait aller exactement. Ok, bon, on va aller là. Bon, je continue, hein, là où il y a des chemins. Ok, c'est quoi ça? What? Mais il a... Il est pas sérieux. Il a... il a fui, en fait. Avant que... Le combat, il a même pas commencé, le mec, il fuit déjà, quoi. Ok. Nice. D'accord, je vais faire le feu, le saut, je veux dire, là. Ah, je peux plus rien faire, là, d'accord. Ok, j'ai loupé mon attaque avec lui, là. Ok, nice. Mais ça l'a quand même tué. Bah, d'accord. Mario level up, nice. Mario a pris super saut. Appuyez sur A à l'impact pour resauter sur l'ennemi. Ah, du coup, je peux. C'est le saut, mais je peux sauter 2 fois, ok. Mario. Je sais pas ce dont il a vraiment besoin, lui. Niveau PV, je trouve que ça va, honnêtement. Attaque, défense, je trouve que ça va aussi. Et puis magie. Ouais, ça passe. Alors, vous savez quoi, je vais augmenter la magie. Ouais, parce que Mario il est peut-être un petit peu derrière à ce niveau-là. Ok. Et puis voilà. Bon, là. Hop là. Encore une fois. Ouh, let's go. Ah bah là, mon gars, t'es dead. Même pas. Ok, bon, ouais, mais Malo, en fait, il fait vraiment pas de dégâts. Au niveau de. Genre, ses attaques normales, son petit coup de poing là. Il fait vraiment aucun dégât, donc c'est très relou. Et par contre, le qui tue. D'accord. Bon, vous savez quoi? Lui, je vais le retaper quand même. Comme ça, Malo, il va level up. Bon, je suis pas si sûr, en fait, hein, vraiment. Ouais, bah en fait, du coup, non. Il a pas level up parce que là, les deux ennemis sont enfuis. Donc voilà, c'est super. Ok. Ok. Bon, sur les autres petites îles, là, les petits rochers, il y a que des pièces. Donc, bah, il y avait l'air d'avoir que des pièces, quoi. Mais bon, c'est pas grave. What, c'est quoi ça? Ok, alors attendez. Ouais, sirop de miel. Très clairement. C'est quoi ce gros truc bizarre, là? Ouais, je sais pas du tout. Ok. Nice. Aïe, aïe, il fait mal, quand même, hein.
Alors, ah, super saut. Eh, ça coûte cher par contre, hein. Appuyez sur A, ah, l'impact pourrait ressauter sur l'ennemi. Ok, ouais, c'est ça. Tu sautes deux fois au final. Donc c'est plutôt pas mal. Lui, je vais l'attaquer comme ça. Je vais pas. Endors Malo, s'il te plaît. Ouais, ok, nice. Voilà, comme ça, je peux attaquer avec Mario avec la carapace et je peux le déglinguer. Et Malo, level up. Let's go. Il apprend un nouveau move ou pas, lui? Non, ok. Franchement, lui, il a besoin d'attaque. Hein. Je vais remonter son physique. Hein. Parce que vraiment, je vous jure, c'est relou, quoi. Ok, nice. Hop là. Mais il est sérieux, lui. Ok. Ça y est, je peux enfin l'affronter? Narnak. D'accord. Ok. Oh, mais on peut sauter plein de fois, en fait. Ouh. What? C'est infini? Ah, c'est peut-être pas infini, mais... Enfin, c'est peut-être infini jusqu'à ce que ça le tue, en fait. Je sais pas. Ok. D'accord, mais c'était plutôt bien badass, hein. Vraiment, pollen sporifique, ouais. Ouais. Ok. Nice. Un point de dégâts, vous croyez c'est ça qui va me... Eh, c'est pas ça qui va me tuer, non, non, non. Mais ok. Bon, ok. Ah, laisse-moi tranquille. Et il veut protéger son bloc, lui, hein. Ok. Hop là. Nice. Encore un. Ok. C'est bon, là, j'ai eu tous les blocs. Je vais pas me taper contre tout le monde, hein. C'est bon. Aïe, aïe, aïe. Si vraiment je manque d'XP, si vous, vous connaissez un petit peu... Oh là. Ah, il y a Bowser, carrément. D'accord, donc Bowser s'est retrouvé là. Genre ouais, si vous savez un petit peu quel niveau je devrais être pour à certaines zones et tout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me dire si j'ai besoin d'XP hors vidéo. Hein, comme ça, bah j'irai XP hors vidéo. Bien, il est temps, vous autres, on a un château à récupérer. Koopax, chef des guerriers à carapace. Ouais. Ok. Majek, maître des sorciers à capuche. Majek? Mais c'est des Kamek? What? Et toi, Goombild, dame de cœur de nos fidèles Goomba. D'accord, il y a que les espèces de Koopa ou frères marteau là qui sont différents, mais c'est tout. Notre heure de gloire approche, ensemble nous sommes invincibles. Le pont s'est effondré, mais nous trouverons bien un autre moyen de rentrer. En route. Ok. N'empêche, Bowser il tient à ses sbires. Hein. On dirait que Bowser et ses sbires essaient de rentrer chez eux. Viens, Rosenville est juste un peu plus loin. Ok. En bas, il y a quoi? Ah, il n'y a rien. Oh oui, d'accord. Juste niveau PV et tout. Ouais, ok. Sirop de miel, j'ai pas beaucoup, hein, je trouve. Non, mais ok. Non, c'est bon, ça va le faire. Je sais pas si on va recombattre Bowser ou pas. Honnêtement, je sais pas du tout. Mais d'accord, Rosenville. Ah, ça y est, on y arrive. Ok, là, c'est la zone vraiment où on doit être. Donc ouais. What? Qu'est-ce qu'il a, lui? Les flèches sont tirées de la forêt. Et comme tu peux le voir, une fois touché, on reste paralysé. Je ne peux plus bouger le moindre muscle. J'ai l'impression de m'être transformé en épouvantail. Ok. Par contre, là, quand il fait nuit... On voit vraiment rien. What? Eh, je vous jure, j'ai eu peur. J'ai cru que c'était le vrai Bowser. Je vous jure. Mario, au secours. Bah, haha, et Mario Peach est avec moi maintenant. Boing, boing. Super saut. Oh. Bah, haha, je crois pouvoir me battre avec une attaque aussi minable. Viens, Peach, tu rentres avec moi au château. Au secours, à l'aide, quelqu'un, aidez-moi. Au sec... Ah! Oui, c'est le vrai Mario, ouais. C'est maman, il y a un client. Oui, je m'en occupe, bonjour. Oh, mais c'est Mario.
T'as la casquette et la moustache, ok, mais est-ce que t'es vraiment le vrai Mario? Le vrai de vrai. Ouais. Comment je peux en être sûr? Peut-être que tu me fais marcher, il me faudrait une preuve. Mais ça se voit, non? Il y en a pas deux comme ça. Ouah, t'es vraiment le vrai de vrai, dis, tu veux bien jouer à sauver le monde avec moi? Laisse Mario tranquille, Toadby, il doit se reposer. Non, il doit surtout sauver le vrai monde, hein, tout seul. Donc bon. Mais maman, t'es pas drôle, et puis tu joues jamais avec moi d'abord. Ah, elle est belle la jeunesse. Mario, est-ce que tu voudrais bien jouer un peu avec mon Toadby? Ouais, il faut faire quoi? C'est trop bien. Bon, Mario s'est fait battre, donc t'as qu'à faire Bowser, ok? Moi, je fais Geno. T'es prêt? On reprend là où j'en étais tout à l'heure. Ta-da-da, fini de rire. Fais tes prières, Bowser. Geno va te remettre une raclée. Prends-toi ça, paf. What? Hey, Bowser, c'est à toi. Ok. Oh non, si ça continue comme ça, je vais pas faire l'enfant, tant pis, tu l'as voulu. Goûte un peu à ce super méga ultra gigantesque puissant, tire d'étoiles filantes. What? Au sud, j'ai mal visé. Voilà, Mario, est-ce que ça va? Me dis pas que je me tape un game over juste pour ça, là. Non. C'est bon, je suis juste assommé. Il se passe quoi? Vraiment, les cinématiques sont super belles, par contre. Ok, il y a les figurines. Donc la nuit est vraiment tombée. Genre, ils sont tous allés dormir. Ah, je connais Geno, hein, lui là. Je connais le personnage, mais je sais pas en soi qui c'est. Enfin, je connais le personnage. Genre, tu me montres une image de lui, je vais dire, ah bah c'est Geno de Mario RPG. Ça, c'est bon, j'ai saisi. Mais par contre, je sais pas qui c'est en soi. Je sais pas qui est le personnage. Voilà, mais en fait, c'est un jouet du coup. Ouais, c'est ça, c'est un jouet. Hein? D'accord. Ok. Réveil. Ah! D'accord. Donc j'ai dormi chez eux, en fait. Enfin, après, vous me direz... Je me suis fait tabasser, alors... Enfin, Mario, il s'est fait évanouir. Hein. C'est un peu normal. Mais ouais, ok. Donc écoutez, on va retourner en bas. Maman, tu vas jamais croire ce que j'ai vu. Qu'est-ce qu'il y a? C'était trop bien, j'ai vu Geno partir dans la forêt, cool hein. C'est merveilleux mon chéri, Geno, c'est celui qui a cassé la lampe la dernière fois, non? Non, ça c'était pour de faux, alors que là c'était pour de vrai. Je te jure que c'est pas des histoires, je l'ai vu dehors. Ok, dis-moi tout, Toadby, je t'écoute. Qu'est-ce que tu as cassé cette fois, hein? J'ai rien fait, j'ai juste vu Geno marcher en direction de la forêt. Ouais, sa mère, elle le croit pas, bah c'est normal. Ok. Ah mais c'est toujours la nuit? Oh. Ah ok, y a rien en fait, je fais juste la... Je tourne la maison, ouais d'accord. Ok, je peux rien faire ici. Qu'est-ce qu'elle veut elle? Mon mari n'est toujours pas rentré, je me demande bien ce qu'il retient. Bah il s'est fait paralyser, non? Ouais c'est ça. C'est embêtant, je vais plus pouvoir aller couper du bois dans la forêt. Mais il reste paralysé combien de temps au juste? Vraiment je sais pas. Hein. J'en ai aucune idée. Ok, on va aller un peu partout, je pense, histoire de voir ce qui se passe un petit peu. J'ai pas le droit de sortir dehors, il paraît que c'est trop dangereux. Bah un petit peu, ouais, quand même. Je suis inquiète pour mon petit-fils, il est sorti jouer tout à l'heure, il n'est toujours pas rentré. Il faut les ramener chez eux ou pas? Non. What? Si seulement je pouvais m'en aller, c'est tellement ennuyé de rester collé ici. C'est lui? C'est lui, son petit-fils, là? Ses flèches sont terribles, mais il faut bien que quelqu'un aille chercher l'eau. Il n'y a pas d'eau. Donc, bon. Boutique? Ouais, let's go. Content de voir Mario, les clients se font en ce moment, de quoi as-tu besoin? 192 pièces, écoutez, je vais reprendre un peu de champi. Voilà, je vais en prendre 3, sirop de vie, pareil. Non, c'est sirop de miel, pardon. maximum en poche 6, ouais. Et puis ça, je vais en prendre 3. Ok, voilà. Et puis ça, c'est pour l'équipe
équipement, non? Ouais, c'est ça, ça c'est l'équipement. Salopette robuste, caleçon robuste. Oh, ok, des nouveaux trucs. Et puis attendez, là, il y a quoi? Chaussures de saut. Ok, badge antidote, badge réveil, machin. Mais ça me baisse ma vitesse et mon attaque magique. Donc, protège contre les sensations, protège de l'état peur, dégâts de poison, protège des états silencieux et sommeil. Ok, sauter efficacement sur tout type d'ennemis. Ça ne te servirait à rien d'en avoir plus. Eh, hey, mais comment il parle? What? Bon, bah écoutez, je vais me prendre la salopette robuste. Et puis le caleçon robuste, voilà, je les équipe à chacun d'eux. Et puis voilà. Ouais, et attendez, je suis pas allé sur le toit. Oh! Ah! Eh! Heureusement que j'ai fait ça, hein. Eh ouais. D'accord. Du coup, là, faudrait que j'aille au-dessus, c'est ça? Ouais, mais what? Il faut que j'aille où? Au juste? Eh, en vrai, je sais même pas. Franchement, je sais pas. Non, bah écoutez, on va juste sauvegarder. Écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, du coup. Voilà, là, on a atteint ce petit village, donc c'est cool. Et là, il y a un bloc de sauvegarde, en fait. Du coup, voilà, je profite et je sauvegarde. Voilà, cet épisode aura été peut-être un petit peu moins long. On aura fait un peu moins de choses, mais voilà. Écoutez, ça arrive, hein. Il y a des fois, voilà, on prend plus de temps à explorer et tout. Donc, voilà, c'est normal. Mais écoutez, voilà. Donc, la prochaine fois, eh ben, on continuera. Je pense qu'il faudra un peu plus explorer le village. Et puis, enfin, sortir du village, je pouvais aller dans la forêt, apparemment. Et puis, voilà, écoutez, on fera ça la prochaine fois. Et c'est ça qui est ça. Mais donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein, comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à partager. Ça me fera vraiment très plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la cloche pour pas manquer les prochaines vidéos. C'est très important. Et du coup, voilà, donc sur ce, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt. Ciao.